Natacha Saint-Pierre, personne ne la reconnaîtra. Oui, trois pelés et un tondu, peut-être. Faut être réaliste au bout d'un moment. La meuf, qu'est-ce qu'elle fout dans ce programme ? Kim Glow Ordel, elle atomise Natacha Saint-Pierre. Kim Glow est totalement déchaînée. L'influenceuse a décidé de régler ses comptes avec Natacha Saint-Pierre et elle n'a vraiment pas fait semblant. Alors que Le Parisien a révélé l'existence d'une violente dispute entre Inès Reg et la chanteuse lors des répétitions de Danse avec les stars, toutes les deux ont pris la parole tour à tour afin de s'expliquer au sujet de ce clash et de donner leur propre version des faits. Une histoire qui a fait réagir de nombreuses personnalités, à l'image de Kim Glow, qui a visiblement décidé de prendre parti pour Inès Reg. C'est Inès qui se prend la vague de haine. C'est pas juste, en fait. Déjà, celui qui a recruté Natacha Saint-Pierre, faudrait le virer et prendre des gens actuels. Par exemple, les gens de télé-réalité. Je vais pas parler de moi. Certes, j'ai fait 20 ans de danse. C'est un programme qui m'aurait plu, je le cache pas. Mais pour eux, d'après eux, les gens de télé-réalité, on a une sale image. En attendant, Natacha Saint-Pierre, c'est loin d'être une sainte, un saint. Elle a un traité quand même de bip, 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 Inès. Alors, l'image de la télé-réalité, il est où dans tout ça? Parce qu'au final, Tu prends dans, soi-disant, Natacha Saint-Pierre, une star, tu mets d'un candidat de télé-réalité dans un centre commercial et Natacha Saint-Pierre, je peux t'assurer que tout le monde connaît le candidat, même si t'es pas fan, que tu te dis pas, voilà, je suis fan de cette personne, mais tu la connais. Parce que nos têtes, on les voit de partout, parce que nos têtes, elles sont connues. Natacha Saint-Pierre, personne la reconnaîtra. Oui, trois pelés et un tondu, peut-être. Faut être réaliste au bout d'un moment. La meuf, qu'est-ce qu'elle fout dans ce programme? Faudrait mettre un peu des gens connus dans Danse avec les stars. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et on est team Inès, Inès, Inès. Et est-ce que je pense que j'aurais eu moi plus ma place que Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les stars? Mais carrément, ma communauté l'aurait kiffé me voir dans ce programme. J'aurais apporté beaucoup plus au programme que l'autre qui est morte dans le game, que plus personne ne reconnaît, qui a 5 followers sur ses réseaux sociaux. Voilà une mise au point nette et précise. Êtes-vous d'accord avec les propos de l'influenceuse? On attend vos avis. C'est Inès qui se prend la vague de haine. C'est pas juste, en fait. Déjà, celui qui a recruté Natacha Saint-Pierre, faudrait le virer et prendre des gens actuels. Par exemple, les gens de télé-réalité. Je vais pas parler de moi. Certes, j'ai fait 20 ans de danse. C'est un programme qui m'aurait plu, je le cache pas. Mais pour eux, d'après eux, les gens de télé-réalité, on a une sale image. En attendant, Natacha Saint-Pierre, c'est loin d'être une sainte, un saint. Elle a un traité quand même de bip, 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 Inès. Alors, l'image de la télé-réalité, il est où dans tout ça? Parce qu'au final, tu prends dans, soi-disant, Natacha Saint-Pierre, une star, tu mets d'un candidat de télé-réalité dans un centre commercial et Natacha Saint-Pierre, je peux t'assurer que tout le monde connaît le candidat, même si t'es pas fan, que tu te dis pas, voilà, je suis fan de cette personne, mais tu la connais.